Salutations, maître du portail. Je suis Éon, et je suis venu te guider dans un formidable voyage. Bienvenue dans les Skylands. Un monde magique plein de merveilles et d'aventures. Protégé par les plus grands héros de tous les temps, les Skylanders. Pendant longtemps, mon devoir a été de veiller sur les Skylanders et de les guider. Mais cette tâche t'incombe désormais. Et tu as trouvé la Swap Force. La Swap Force était un groupe spécial de Skylanders dont la mission consistait à défendre les îles éclaircies qui abritent un volcan magique. Tous les 100 ans, quatre anciennes créatures, les élémentaires, combinent leurs pouvoirs dans le volcan et provoquent une puissante éruption qui restaure la magie dans les Skylands. Mais partout où il y a une puissante magie, il y a aussi un grand danger. C'est lors de la dernière éruption que les élémentaires ont été attaqués par les serviteurs des ténèbres. En cette heure de péril, les Skylanders ont répondu à l'appel. À la fin d'un combat épique, nos héros furent pris au piège au sommet du volcan. Incapables d'échapper à l'éruption, les Skylanders furent baignés dans l'énergie magique du volcan et ils acquirent un incroyable nouveau pouvoir. Ils devinrent la Swap Force. Mais l'explosion les a également envoyés loin des Skylands. Jusqu'à toi. Et juste à temps. Les Skylanders ont besoin de ton aide. Une grande aventure t'attend, maître du portail. Regarde. Assister à l'éruption du mont éclairci. Merveille, magie et aventure sont au rendez-vous. Wow ! Tu peux me croire, Hugo, ça va être génial ! Je sais, Flynn. Tu vas être en première loge pour assister à quelque chose qu'on n'avait pas vu depuis 100 ans. Mais oui, j'ai même acheté ce super chapeau volcan. C'est Flynn. Va par là. Oh, bonjour, Cali. Je te manquais déjà. En fait, j'arrive pas à croire que je vais dire ça. Mais je... Oh, mon chapeau. Je dois y aller. Adios, joli chapeau volcan. Bon voyage. Wow ! Qu'est-ce que c'était ? Ouh ! Je dois entendre des voix. Pendant une seconde, j'ai cru que c'était... Ah ! Tous les géants ! Tu es un Skylander ? Eh bien non, pas tout à fait. Je veux dire, je les connais, mais... Oh non ! Ils nous ont trouvés ! Écoute, mon foyer est en danger. Si tu connais vraiment les Skylanders, tu dois m'aider. Eh bien, je suis supposé être en vacances, mais je n'ai jamais su dire non au danger, alors... Ok, le danger gagne. On va de quel côté? Dans le volcan. On pourra les semer à l'intérieur. Très franchement, ce n'est pas à ça que je pensais. Tout ira bien, je connais le chemin. Fais-moi confiance. Ok, c'est d'accord. Mais tiens-toi bien, petite renarde. Je vais faire un truc vraiment génial. Boum! Ici le capitaine qui vous parle. On est arrivé. Plume de dragon, ça va? J'ai jamais vu un crash pareil. Je sais, impressionnant, hein? C'était une manœuvre super secrète et incroyablement complexe. Heureusement, je suis le meilleur pilote de Skyland. Capitaine Flynn, à ton service. Boum!
Papa, boum! Pardon, Miss... Tessa! Je m'appelle Tessa. Ok, c'est noté. Alors, quel est le problème, Tessa? Mon village a été attaqué, juste avant la fête du volcan. C'est pas loin. Allez, je vais te montrer. Wow, minute, papillon. Je ne vais nulle part sans mon vaisseau. Un bon capitaine ne s'en sépare jamais. Tessa, tu es de retour. Et j'ai amené les Skylanders avec moi. C'est un Skylander? Lui? Oh non, c'est... Mieux que ça. C'est le meilleur pilote des Skylanders. Le capitaine Flynn. Et tu es? Je suis le crieur public. Ah, moi aussi j'aime crier sur des gens, je comprends. Non, Flynn, Rufus s'occupe de tout ce qui se passe à fond du bois. Quand on a besoin de quelque chose, c'est à lui qu'on s'adresse. Merci Tessa, mais il faut vraiment que je te parle, c'est... On verra ça plus tard, il faut que je trouve la chef. Mais... Alors c'est toi le patron, hein? Parfait, voilà ce dont j'ai besoin, Jofus. Rufus. Ok, passons aux choses sérieuses. Qu'est-ce que tu sais à propos des enchiladas? Hé, hey, tout doux, ce vaisseau est sensible. Rufus, où est la cheftaine? C'est ce que j'essaie de te dire, elle a été capturée par les Gribbles. Nous devons la sauver, Rufus. Je vais préparer l'opération, mais on va avoir besoin des Skylanders. Rudy, à propos des réparations de mon vaisseau, c'est la ville qui paye, pas vrai? Enfin, Glum Shanks, un monument digne de ma grandeur suprême. Je ne dirai pas le contraire, Seigneur Chaos, mais... la partie du bas est vraiment nécessaire. Non, 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 imbécile! Vous polissez n'importe comment! Est-ce qu'il n'y a vraiment plus de trolls? Ces Gribbles ne sont pas assez maléfiques. Aucune importance, Glum Shanks. J'ai fait la découverte ultime ici, aux îles éclaircies. Les ténèbres pétrifiées! Grâce à elles, j'ai construit une machine si diabolique que même un esprit aussi génial que le mien a du mal à envisager toutes ses possibilités. Le maléficieur. Regarde! Oh, c'est beaucoup mieux! Bientôt, Glum Shanks, moi, Chaos, disposerai d'assez de ténèbres pétrifiées pour construire d'autres maléficiaires. Et alors, je répandrai un glorieux chaos dans tous les Skylords. C'est quoi votre problème? Vous n'avez rien qui ait des portes. C'est un moyen parfaitement sûr de voyager, Flynn. Eh bien, je trouve que ce n'est pas naturel. Et nous arriverions bien plus vite si nous avions quelque chose avec une hélice. Je suis désolée. Il peut aller beaucoup plus vite si tu veux. Mais il vaut mieux bien t'accrocher. Nous allons descendre et ça peut secouer. M'accrocher? Je suis Flynn, le meilleur pilote des Skylands. Une petite turbulence ne m'a jamais... C'était assez rapide pour toi, Flynn? Tes cheveux sentent la fraise. Là! Des Gribbles! La cheftaine ne doit pas être loin. Super! Les Skylanders ont trouvé la cheftaine! Oh, tu ne m'avais pas dit qu'elle était si vieille. Oh! Des Gribbles! Je supporte pas les Gribbles! Si je vois encore un Gribble, je vais faire pop! Excusez-moi. Allez, en avant. Fouettez-moi cet oiseau qu'on accélère.
Très bien, votre chef Tenry. Gardez votre perruque. Hein. Bon, comment on démarre cette chose? Oh! Regardez, Glumshanks, ces cribbles ridicules font vraiment n'importe quoi. J'en ai assez vu. Arrête-moi ça. Bien que je ne dispose que d'une armée d'imbéciles, je suis parvenu à obtenir les informations dont j'avais besoin de cette misérable chef Ten. Grâce à mes incompréhensibles pouvoirs de persuasion, je sais désormais, à peu près considérant la marge d'erreur, où se trouvent les quatre élémentaires dans les îles éclaircies. Oh, excellent travail, maître. Quel est le plan? C'est très simple, imbécile. Tout ce que j'ai à faire, c'est rendre maléfique une, juste une de ces pitoyables créatures. Ensuite, quand elles se retrouveront pour leur ridicule rituel magique, le volcan tout entier deviendra maléfique. Et quand le volcan rendu maléfique entrera en éruption, les ténèbres se répandront dans tous les Skylands et j'en deviendrai, moi, Chaos, le maître absolu. Un plan génial, maître. Oui, il n'y a rien que ces Skylosers pourront y faire. Enfin, probablement pas. Que veux-tu dire, Glumshanks? Eh bien, c'est juste que les Skylanders finissent parfois par vous arrêter. Toujours. Tu sais, Glumshanks, je commence à avoir de sérieux doutes à propos de tes motivations. Bien, et tu disais? Rien ne pourra mettre en défaut votre plan parfait. Votre victoire est assurée, Seigneur Chaos. Ah, c'est beaucoup mieux, maléfique Glumshanks. Maintenant, va au site de fouille et supervise les opérations du maléficiaire. Il nous faut autant de ténèbres pétrifiées que possible. Oui, Seigneur Chaos, ce sera fait. La baie secrète est droit devant. C'est là qu'habite l'ancien qu'on appelle Flashkin. Intéressant, je le croyais plus grand. Salut mon petit gars, t'es plutôt mignon pour un poisson. Tu sais où est l'ancien Flashy machin chose? Flash Finn! Oh, n'est-ce pas excitant d'être aussi près? Non, je veux dire, c'est juste un gros poisson, hein, pas un poisson avec des yeux laser ou un truc dans le genre. Ok, ok, c'est impressionnant. Vraiment des yeux laser. Oh non! Qu'est-ce que Chaos veut faire à Flash Finn? C'est sans doute encore lié à un complot super compliqué pour s'emparer des Skylands ou... À couvert! Flynn, on ne peut pas les laisser faire ça! Pas de problème! Nous avons les Skylanders! Et si quelqu'un peut sauver notre super copain poisson, eh bien, c'est bien eux! De fouilles dans Snugglescale nous parlait. Oh, j'espère que les Skylanders trouveront un moyen d'arrêter celui qui est derrière tout ça. Trop facile! Les Skylanders et moi, nous avons affronté des situations bien plus difficiles. Oh, je suis sûre que tu te bats tous les jours contre des machines maléfiques là d'où tu viens, Flynn. Mais je ne suis pas comme toi. Ah, c'est bien vrai. Mais je vais te dire un petit secret, Tess. Tu veux savoir pourquoi je n'ai jamais l'air surpris? C'est parce que j'ai déjà tout vu. Enfin, sauf ça, c'est nouveau. Ah!
moyen de les empêcher d'utiliser ces pièces pour fabriquer d'autres maléficieurs. Tu as une idée, Flynn ? Pas de problème. Il est temps de faire intervenir le singe. Le singe ? Ouais ! Le singe ! Ils ne s'attendront pas à voir le singe. Oh, ça non. Tu vois ? Je te l'avais dit ! Personne ne s'attend jamais à voir le singe de pierre ! Qu'est-ce qu'il t'a fait, ce méchant singe ? Et que ferait le Seigneur Chaos ? Attends, quoi ? Le plan B ? Oui, d'accord. Démarrer le plan B ! Maintenant, tu n'as pas envie de retourner laver les chaussettes sales de Chaos, hein ? C'est ta chance ! Oh, de qui je me moque ? Glumshanks ? Qu'est-ce que tu fais ici ? Dis-moi, Glumshanks, tu sembles différent. Je ne sais pas. Moi, maléfique. Ah ! Qu'est-ce qui se passe ? Chaos, pourquoi m'as-tu appelé ? Quoi ? Moi ? Glumshanks, qu'est-ce que tu as fait ? Oh, maître, je n'ai pas... Tu as été imprudent, Chaos. Maintenant, prépare-toi à affronter ta... Quoi ? Mon quoi ? Ta... C'est ma fin ! C'est pas ma fin ! Ta... Mère ! Maman ! Bien sûr. Je vois que tu n'as pas perdu ton sens du dramatique. J'imagine que tu trouves ça drôle. Hilarant, vraiment. Tu aurais dû voir ta tête. Oh, bonjour, Glumshanks. Je vois que mon fils continue de te maltraiter. Ouais, ouais, bla, bla. Qu'est-ce que tu veux, maman ? Je suis très occupée. Oh, souris, Chaos. À quoi bon être si délicieusement maléfique si tu ne peux pas en profiter ? Tu sais, quand j'ai envahi les îles éclaircies, je l'ai fait avec un sourire maléfique sur le visage. Ah, c'était il y a un siècle. Et en plus... T'as échoué ! Échoué ! C'est grâce à moi que les Skylanders ont été bannis, laissant les îles éclaircies sans protection pendant des années. Tu sais, Chaos, tu m'as dit que ton plan était simple, mais ton invasion totale a attiré beaucoup trop d'attention, et les Skylanders sont de retour. Elle n'a pas complètement tort, maître. Silence ! Je parviendrai à conquérir les îles éclaircies et je le ferai à ma façon maléfique à moi ! Merci d'avoir appelé maman, merci pour ton insupportable sens maternel. Chaos, je... Ça s'est plutôt bien passé, maître. Invasion totale ! Je vais lui montrer, moi, une invasion totale ! Envoyez mes Gribble pirates ! D'après la carte, le ravin Gueule d'Acier est quelque part à l'ouest. À l'est, de toute façon, on va dans la mauvaise direction, je crois. Tu sais quoi ? Tout va bien se passer. Oh, bien sûr que ça va bien se passer. Profite de l'aventure, Flynn. Tu sais ce que c'est ton problème ? Tu comptes trop sur les cartes et sur les machines pour trouver ton chemin. T'écoutes pas ton instinct. Hey, moi j'aime bien les machines. Et c'est seulement parce que j'ignore ce que dit mon instinct que je suis sur cet oiseau. Tout ce que je te dis, c'est que si tu es là où tu es supposé être, alors t'es jamais vraiment perdu. Je ne vois pas ce que tu veux dire, mais écoute, si nous sommes perdus, c'est seulement parce que ton matelas à plumes ici présent ne s'est pas volé droit. T'as bien compris. Tu vois, c'est dans ce genre de situation que j'aime qu'il y ait des pas. Oh non ! Ces pirates déserts attaquent la ville ! Et c'est pas tout !
Attention! C'était incroyable! Comment t'as fait ça? Facile! Il faut juste une dose de réflexe surhumain et 17 doses de j'assure comme une bête! Et boum! Voilà ce que c'est, l'instinct de Flynn. Tout est là. Après tout ça, je crois qu'il va falloir qu'on parle de ton expression. Mais d'abord, nous devons aider les Skylanders à abattre les vaisseaux. Quel plaisir pour mes vieux yeux, Skylander! Je suis le Marshal Wheelock, le long bras de la loi dans ces contrées. Les vaisseaux pirates nous donnent du fil à retordre, mais si on parvient à décoller et à aligner les canons, on les aura facilement. Eh bien, j'espère que ce chaos réfléchira deux fois avant de s'en prendre de nouveau au ravin gueule d'acier. C'était vraiment quelque chose, Monsieur Flynn. Merci pour votre aide. Oui, les Skylanders ont été incroyables, hein. Je veux dire, kaboom! Et toi, Flynn, t'as été incroyable. Enfin, pour un gars qui porte une écharpe. Très jolie contribution. Et vous savez, tout le monde ne porte pas une écharpe. Alors c'est quelque chose. On est d'accord. Écoutez, Monsieur Wilshaws, on cherche cet ancien Squid Bidule. Vous l'avez vu? Non, monsieur. Non, je regrette. Mais je connais quelqu'un à Motleyville qui pourrait vous aider. Le train vous y emmènera. Mais il risque de ne pas fonctionner avant plusieurs jours. Semaine. On veut prendre Whiskers. Il y a moins de risques qu'il explose. Oh, quelle que soit la façon de vous y rendre, demandez Sharpfin. Il est difficile à rater. Sharpfin? Cet escroc? Du calme, j'ai l'habitude de traiter avec des gros durs. Laisse ce bon vieux Capitaine Flynn s'occuper des négociations. Boum. Sympa, sympa, sympa comme endroit. Désolé, Flynn, mais c'est le seul moyen de trouver Terra Squid. Ah bon? C'est une ville fantôme ici. Hé, y a quelqu'un là-bas. Comment allez-vous? Je suis Flynn, le meilleur pilote des Skylands. Vous n'avez sans doute jamais entendu parler de moi, vu que vous vivez au fond de nulle part, mais je suis une vedette dans le monde civilisé. Nous cherchons le baron Sharpfin. Il paraît qu'il pourrait nous aider. Nous sommes en mission pour les Skylanders. Eh oh! Je n'aime pas ça. Oh oui, il est très impoli. Non, c'est... Whiskers! Attention! Je suis vraiment désolé de vous informer que Sharpfin n'est plus le baron. La municipalité est, disons, gérée par quelqu'un d'autre. Vous êtes maintenant les estimés invités du grand baron von Shellshock, serviteur du seigneur Chaos et chef tout-puissant des environs. Willkommen au nouveau Motleyville. Et qu'avons-nous là? Moi, c'est Sharpfin. Ce crabe arrogant a déboulé dans ma ville et il a commencé à envoyer mes objets de valeur durement gagnés à un certain Chaos. Tu sais quoi? Si tu m'aides à lui faire quitter la ville, je serai à jamais ton débiteur. Enfin, pour un moment... Les Skylanders de la Terre sont plus puissants ici.
Hedgehog va triompher. Tu as vaincu. D'une énorme puissance va t'écraser. Et il te fera mal aussi. Ignorant Kartoffelgesicht, vous reverrez bientôt les barons von Schellschock. Comment il vient de nous appeler? Ignorante face de patate. C'est censé être insultant, non? Mais c'est pas un mot doux dit de la sorte. On a fait notre part, Sharpfin. Tu vas nous aider ou pas? Non seulement je vous emmène sur mon vaisseau personnel, mais en remerciement, je vais envoyer mes hommes à fond du bois au service de mon petit gars qui est ici. Hé, je ne suis pas ton gars. Si je suis le gars de quelqu'un, c'est de moi. Tu vois ce que je veux dire? Votre vaisseau sera remis sur pied et amélioré en un rien de temps. Eh oh! C'est à vous que je parle! Vous pourriez au moins faire attention, bande de Käse Hersteller! Hé! Regardez ça. Oh oh. Bon, qui veut déjeuner? J'ai un petit creux.